t'es jamais vu ici? Et qu'est-ce qu'un freluquet comme toi vient faire ici? Je t'attendais, Cloud. Bienvenue dans ma salle de muscu. Le mec est pec. Juju, coach sportif. Si tu as un peu de temps et envie de t'amuser, j'ai un défi pour toi. Que dirais-tu d'affronter un de nos membres? T'es sérieux, Juju? Cette demi-portion, je vais le réduire en miettes. Il a aucune chance. Tu devrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'accord, Cloud? Viens me parler quand tu seras prêt pour le défi. Ça y est? Tu es prêt pour le défi? T'es venu te mesurer à moi? T'as du courage pour te frotter à mes muscles. Faudra pas venir pleurer après. Demi-portion. Ok, ok, ça suffit. Vous allez vous affronter au squat. C'est comme ça qu'on mesure notre force par ici. Allez, c'est parti! C'est quand tu veux! Continue comme ça! Oh, magnifique! Sublime posture! Tu t'en sors très bien! Eh, pas mal du tout! Oh, magnifique! Tu t'en sors très bien! Sublime posture! Continue comme ça! Sublime posture! Oh, magnifique! Eh, pas mal du tout! Tu t'en sors très bien! Oh, magnifique! Sublime posture! Continue comme ça! Eh, pas mal du tout! Continue comme ça! Oh, magnifique! Sublime posture! Tu t'en sors très bien! Eh, pas mal du tout! Oh, magnifique! Sublime posture! Continue comme ça! Oh, magnifique! Tu t'en sors très bien! Eh, pas mal! C'est tout ce que tu sais faire! Déjà fini? Comment une demi-portion telle que toi peut gagner face à un champion comme moi? Y a pas que la taille des muscles qui compte, mon vieux. Ça vous apprendra à ne plus juger les gens sur leur apparence. Vous avez perdu parce que vous étiez trop sûr de vous, que ça vous sert de leçon. Merci d'avoir aidé les membres de mon club à découvrir leurs faiblesses. Tu m'as rendu un fier service. Cloud, à partir d'aujourd'hui, nous te considérons comme l'un des nôtres. N'hésite surtout pas à passer quand tu auras envie de transpirer un peu. Il faut entretenir tes muscles et ton mental régulièrement. L'important. N'hésite pas à aller voir Jay ou Ronnie quand tu voudras te refaire un petit. T'es venu te mesurer à moi? Tu veux me défier? Ok, approche! J'ai hâte de voir ce que ce duel va donner! Continue comme ça! Eh, pas mal du tout! Sublime posture! Magnifique! Tu t'en... Je suis sûr que vous pouvez le faire. Sublime posture. Eh, pas mal du tout. Oh, magnifique! Continue comme ça. Allez, on se motive un peu plus, là. Tu t'en sors très bien. Eh, pas mal du tout. Sublime posture. Tu t'en sors très bien. Vous vous débrouillez vraiment bien. Eh, pas mal du tout. Continue comme ça. Tu t'en sors très bien. Fantastique. J'aime vous voir. Pas mal du tout. Merde. Sublime posture.
Continue comme ça. Oui, continue comme ça. Tu t'en sors très bien. Oh, magnifique. Sublime posture. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Tu t'en sors très bien. Pas mal du tout. Sublime posture. Vous vous débrouillez vraiment bien. Continue comme ça. Tu t'en sors très bien. Oh, magnifique. Allez, on se motive un peu plus. Contrôle ta respiration. Non ! J'ai même pas forcé. Tu m'as vraiment battu. Tu dois avoir des muscles en béton. Je suis presque jaloux de vous voir vous amuser sans moi. Clown, ça te dirait d'en faire un contre moi? L'important, c'est de résister et de persévérer. Que dirais-tu d'un petit défi? Allez, c'est parti! Je suis impressionné. Une vraie symphonie de muscles! Faut lui montrer ce que tu sais faire! J'entends tes muscles se contracter avec ardeur et bonheur! Un vrai match de champion! Mais comment t'as réussi à tenir? La victoire des muscles sur l'intellect! La perfection! Mais comment t'as réussi à tenir? Vas-y, montre-lui qui est le patron, Juju! Pour lui montrer ce que tu sais faire! Un vrai match de champion! Je suis impressionné! Allez! Et un! Et deux! Et un! Un vrai match de champion! Mais comment t'as réussi à tenir? J'entends tes muscles se contracter avec ardeur et bonheur! Faut lui montrer ce que tu sais faire. Oh là là, là. Je suis impressionné. Le suspense est à son comble. Mais comment t'as réussi à tenir, hein? Allez, Juju, on est tous Faut lui montrer ce que tu sais faire. Une vraie symphonie de muscles. La victoire des muscles sur Mais la télé. Mais comment t'as réussi à tenir? Un vrai match de champ. Faut lui montrer ce que tu sais faire. Allez. Et un. Et je suis impressionné. Et un. La perfection. Mais comment t'as réussi à tenir? J'entends tes muscles se contracter avec ardeur et bonheur. Faut lui montrer ce que tu sais faire. Vas-y, montre-lui qui est le patron, Juju. Oh, un vrai jeu d'enfant. Je pensais pas que tu réussirais à me battre comme ça. Tu es encore plus fort que je croyais. Les gars, il va falloir commencer à s'entraîner sérieusement. La prochaine fois, on perdra pas. Oui, chef. Voici donc le palais à la gloire de la virilité, Beck. Venez goûter. Quoi? Tiens, c'était donc toi, le fameux homme à tout faire dont tout le monde parle? Un incident vient d'avoir lieu. Il y avait ici de l'aide qui était destinée aux enfants de la maison feuillue du secteur 5. Eh ben, tout a été volé. Et on sait déjà qui a fait le coup. C'est une voleuse du secteur 5. On la prenait pour une justicière redresseuse de tort. Mais on dirait bien qu'elle montre enfin ses vraies couleurs. Tout était écrit sur sa carte. Ange Grod... En tout cas, ça parle d'un ange grodien. Tu connais même pas son nom, en fait. Écoute-moi bien. Je te garantis que l'ange gardien n'a rien à voir avec ça. Les vrais coupables, c'est sûrement ces trois types louches-là. Je les ai vus traîner dans les environs. Alors ramène-nous donc ces individus. Si tu jures que l'ange gardien est innocent, eh bien, à toi de le prouver. Hé, le mercenaire, j'ai besoin de ton aide pour prouver l'innocence de l'ange. Sa fierté est en jeu. Je le sais, moi. L'ange gardien ne ferait jamais de mal aux pauvres gens. Il faut que tu retrouves les trois coupables et que tu les ramènes. Ces bandits sont enfuis vers la route affaissée. Elle se trouve après le parc vert.
L'ange Gredin va venir subsister l'aide. Un coup de génie. Très franchement, je me doutais pas que le truc de la carte marcherait aussi bien. Joli coup. L'ange Gredin grappille les ailes et ça met plein. Ah, encore quoi? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? On fait les morts. On fait les morts. Abruti, c'est trop tard pour ça. Je vais pas me laisser botter les fesses encore une fois. Allez, à toi de jouer. Je te présente notre nouveau garde du corps. On l'a recruté au Colisée. On va te rendre la monnaie de ta pièce pour tout ce que tu nous as fait et au centuple. C'est quoi le centuple? C'est un cousin du centaure? Ah, bah, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'on va lui mettre une bonne raclée. Prudence. Vous allez venir avec moi. Quoi? C'est eux, l'ange gardien?
Alors toi, t'es vraiment bête, hein? Nous, c'est l'ange gredin, pas gardien. Mais tais-toi, idiot! Aucun risque que cette bande d'andouilles soit l'ange gardien, la justicière au cœur d'or et au visage d'ange. Oui. Et puis, je reconnais ces bandanas maintenant. Ces hommes sont une bande de petites frappes qui sévissent dans le coin. Je suis désolé d'avoir accusé la mauvaise personne à tort. Du moment que les choses sont claires, j'espère que ces brigands vont être sanctionnés à la hauteur de leur vilenie. Ouais. Suivez-moi, vous autres! Non, mais oh! Un peu de courtoisie, quand même! Ouais, d'abord une courte! Loisir. Et les marchandises? Si vous voulez les rapporter, je peux vous aider. Ça va aller. Je vais les porter moi-même. C'est une route que je connais bien. T'fais donc pas de mouron. Ah! L'ange gardien a encore frappé! Des marchandises de Cornéo ont été volées! Bon, je te laisse alors. Grâce à toi, tout a marché comme sur des roulettes. Merci, hein. L'ange gardien, beauté charmante qui vole au secours des pauvres et des opprimés. Me voilà complice, on dirait. Ça devrait suffire. Retournons voir Madame M. Salut, le champion! J'ai un message de Madame M. Aerys aura encore besoin d'un peu de temps pour se changer. En attendant, tu voudrais pas nous rendre un petit service, puisque tu es là? On croule sous les demandes de visiteurs qui exigent de voir une nouvelle fois un match du champion. Autant te dire qu'ils ne vont pas se décourager tant qu'ils ne t'auront pas vu à l'œuvre. Alors, je t'attends à l'arène, c'est d'accord? On n'attendait plus que toi, champion! Le match se déroule à guichet fermé. On compte sur toi pour mettre l'ambiance dans les gradins. Ce soir, il est là pour prendre sa revanche et il ne laissera rien passer! C'est le chouchou de Sam, j'ai nommé le Tronçonneur! Il a essuyé ses larmes et aiguisé ses lames! Comment notre champion va-t-il contrer sa rage de vaincre? Que le carnage commence! Juste comme vous. Hey!
titre a su nous montrer qui il était. Vainqueur Cloud. Il a tranché d'un coup les désirs de revanche de ce pauvre tronçonneur. On peut dire que tu t'es surpassé. Tiens, voilà ta part. Profites-en. Mais... où est Aerys? Elle est encore en train de s'attacher les cheveux. À mon avis, tu aurais largement le temps d'aller voir un match, si tu veux. S'il y a bien une chose dont je ne me lasserai jamais, c'est de voir les jouets favoris de Sam se faire briser. C'est bien vous, ça. Quelle jolie main tu as maintenant. Avec de si belles mains, si le danger croisait ta route. Maintenant, je pense que tu devrais arriver à défendre une femme ou deux. J'en ai toujours eu l'intention. Aerys doit avoir fini de se préparer maintenant. Il va falloir que je rentre. Quand tu auras fini, retourne au salon. Hein ?